Airgaze, sûrement un jeu que personne ne connaît, surtout en Europe. En fait, il a vraiment pas bien marché. Au Japon, il a bien marché parce que c'était une arcade. Donc, l'arcade qui est sortie en 98, genre un an après Final Fantasy VII, et après qui a été porté sur PlayStation un an après, donc en 99. Nous, on l'a eu en 2000 en Europe. Donc voilà, je sais même pas s'il est sorti en Amérique. Mais en tout cas, ah ce bruit, qu'est-ce qu'il est horrible. C'est J'espère que vous avez aimé la cinématique, parce que je pense que vous allez aimer seulement la cinématique dans ce jeu. C'est un jeu très très médiocre, très très médiocre. Mais pour son époque, on va essayer de resituer ça, tout ça. C'est pas mal, c'est sympathique. Alors il y a plusieurs jeux. Alors le jeu principal c'est Airgaze, c'est un jeu de combat un peu à la Tekken. C'est très très médiocre. Et après il y a un jeu qui reprend un peu le même système de gameplay, parce que vous allez voir un peu le système de gameplay du combat. Là c'est un peu pareil, sauf que c'est un donjon crawler, comme on appelle ça. Vous avez des monstres à affronter, vous avez un inventaire à gérer, etc. Et le jeu a décidé de me lancer dans je sais pas quoi. Donc voilà. Alors, bon, apparemment, on est. J'ai même pas choisi, le jeu m'a déjà lancé là-dedans. Donc, pour petites infos. Donc, oui, c'était à l'époque de Squaresoft, où Square. Enfin, Square même, Square. Square aimait bien. On va dire que Final Fantasy VII était tellement un hit, on va voir un peu de démo, était tellement un hit que ils se sont dit, bah tiens, si on mettait les personnages de Final Fantasy VII un peu partout, comme ça du coup on va un peu tenter les gens à vouloir acheter des jeux, même s'ils sont vraiment nuls, ou alors pas intéressants et mal faits, sans trop de travail derrière, on va dire en tout cas. Et c'est ce que Square a fait, c'est ce que Square a fait, et ça a marché. Au Japon, il s'est vraiment bien vendu ce jeu. Quand on compare à d'autres jeux. Pourquoi? Bah parce que il y avait des personnages de Final Fantasy VII. Et le truc qui est intéressant, c'est que si on regarde l'arcade, les personnages de Final Fantasy VII étaient des personnages en fait secrets qu'il fallait débloquer et tout ça. C'était assez dur de les débloquer. Et dans la version PlayStation, en fait, ils étaient déjà disponibles. Et les personnages de Final Fantasy VII sont complètement pétés et vraiment. Casse la balance du jeu à mort, quoi. Casse la balance du jeu à mort. Vous allez voir, il y a Cloud avec son épée géant, vous pouvez toucher des gens à 3 mètres, c'est n'importe quoi. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça, donc le jeu niveau balance, c'est pas du tout ça. Pour ce qui est du staff qui a travaillé dessus, alors, il y a Dream Factory. Alors Dream Factory ils sont pas vraiment connus pour faire des très bons jeux, ils ont travaillé sur très peu de jeux qui ont vraiment bien marché, ça a surtout été de la PlayStation 2. Par exemple, après Airgaze, ils ont travaillé sur The Bouncer qu'on verra, qui est sorti en 2001. On verra ça un peu. Et après, il y a eu beaucoup de jeux de PlayStation 2, un seul de PS3, et après, c'était de la Nintendo DS. Donc, vraiment une. Voilà, ça c'est Dream Factory, quoi. C'est un peu le Dream Factory qui brise les rêves des joueurs. Et après, il y a eu du staff, bien sûr, de Square. Donc, il y a eu le staff de Final Fantasy VII, par exemple, avec Yoshinori Kitase, qui est si je ne m'abuse, lui, il a été le directeur de Final Fantasy VII. Donc, voilà, il y a eu pas mal de gens qui ont travaillé sur Fantasy VII, qui ont travaillé directement sur ce jeu-là. Donc, voilà. Pourquoi je parle beaucoup? Parce que j'ai vraiment pas envie d'y jouer, parce que ce jeu est horrible. Mais on va voir ça. On va voir ça. Alors, il y a plusieurs petits modes de jeu aussi. Il y a Infinite Battle, Panel Battle, Run Battle et Beach Battle. Donc, il y a un mode survie en gros. Il y a un jeu de plateau. Après, il y a une course à pied où c'est qu'on peut attaquer son adversaire. Ouais. Et après, il y a un jeu de beach volley. Alors, pour resituer ce jeu, quand il est sorti à l'époque, il n'y avait pas vraiment de jeu de combat en 3D avec comment dire, un niveau où c'est qu'il y a plusieurs niveaux. Par exemple, vous allez voir que certains niveaux en fait ont plusieurs paliers, donc on peut monter, descendre, etc. Et ça, c'était un peu nouveau. Mais du coup, en fait, ça casse un peu le système de combo qu'on connaît dans les anciens jeux où c'est que c'était un plan plus ou moins fixe, ou alors c'était une zone complètement plate et il n'y avait que deux personnages, les uns en fait, qui faisaient face l'un à l'autre, quoi. Là, on peut bouger, là, on peut courir un peu autour de son adversaire, on peut aller un peu partout sur le niveau, même s'ils sont encore petits, mais voilà, ils ont voulu faire des choses différemment et bien sûr pour aider les ventes de ce jeu parce que ils sont. C'était à l'époque où c'est que Square, en fait,
tenter beaucoup de choses. Donc on avait vraiment de différents jeux. On avait des RPG, on avait des RPG action, des RPG par tour, les Final Fantasy, tout ça. On avait les Parasite Eve qui étaient un peu un mix de RPG avec de l'horreur, survival horror et tout ça. Donc c'était un peu pour moi, c'était la meilleure époque pour Square parce qu'ils voulaient essayer plus ou moins différentes choses, et maintenant, de nos jours, après 20 ans de jeu, il y a des choses qui sont restées, genre les Parasite Eve, ça reste des jeux vraiment connus, et ce système de jeu de survival horror avec des points de RPG, tout ça revient dans pas mal de jeux, etc. Les Final Fantasy, c'est toujours de jour, ça a changé maintenant, c'est sûr, mais ça, voilà. Donc Square, franchement, était vraiment bon à cette époque. Et avec Airgaze, ils ont un peu ouvert les portes du combat un peu ouvert, où c'est qu'on pouvait un peu tourner sur la map et tout. Mais bon, voilà. Après, bien sûr, le jeu est, comme j'ai dit, médiocre. Et du coup, bah, vous foutez des personnages de Final Fantasy dedans, surtout du 7. Et bah, du coup, bah, vous avez un jeu qui va se vendre parce que les fans vont l'acheter. Voilà, tout simplement. On va faire de la practice. Voilà. C'est comme ça qu'on fait le. C'est comme ça qu'on vend les jeux. Alors, c'est vraiment portée de arcade à la console. Hein. Vous voyez, vous avez un temps et tout pour choisir votre personnage. Enfin voilà, c'est un peu débile. Donc ça, ce sont les personnages normaux. Et après, on a les personnages de FF7. Donc on a Cloud, on a Tifa, on a Sephiroth, on a. Et on en a d'autres après à débloquer. Il y a Yuffie, il y a Zack, il y a Tifa. Tifa, on l'a eu. On l'a vu. On l'avait. Vincent. Et voilà, c'est à peu près tout. Voilà. On va prendre Cloud, parce que Cloud est un des personnages les plus pétés, vous allez voir ça. Vous allez voir ça, pourquoi Cloud est un des joueurs, un des personnages les plus pétés. Alors, il y a des barres noires en haut, en bas, bizarrement. Honnêtement, je sais pas vraiment pourquoi. Bref. Désolé pour ça. Donc voilà, vous voyez que vous n'êtes pas en fait bloqué en face à face contre votre ennemi. Vous pouvez en fait un peu faire le tour. Et vous pouvez aussi utiliser le décor en fait pour attaquer. Donc voilà. Et il y a pas mal de choses comme ça. Et à l'époque, en 99, du coup, ce genre de système était pas fréquent. Donc du coup, voilà, Square a voulu un peu rajouter quelque chose à leur sauce et du voilà. Mais bon, comme j'ai dit, c'est un combat, c'est un jeu très très médiocre. Donc voilà. Donc il y a les coups comme ça, les coups de pied, coups de poing. Il n'y a pas énormément de combos, on n'est pas genre dans un Tekken où on peut enchaîner les combos et tout, parce que les personnages vont faire un peu n'importe quoi plus ou moins à des moments. Donc bon. Et après, bien sûr, on a l'attaque spéciale que pour Cloud, par exemple, c'est son épée. On peut invoquer des météores et on peut taper avec son épée. Cloud est complètement OP. Voilà. Et vous pouvez quand même spammer un coup et genre garder la personne à terre, défoncer la personne. Donc voilà, les personnages de FF7 cassent vraiment le jeu et voilà quoi. Je sais pas quoi dire d'autre. On va sortir. Oh mon dieu, mais ce bruitage qu'ils ont mis quand on va mettre le mode arcade. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. À chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on choisit un personnage et tout, vous avez les oreilles qui saignent, c'est vraiment cool. Honnêtement, Sephiroth est un peu plus chiant à contrôler. Cloud est extrêmement simple et extrêmement efficace en fait. Sephiroth moins. Yeah, allez, on combat! Yeah! Et pour utiliser la Mazamune, on peut. Zephyrot en fait sort pas directement la Mazamune. Il se tient en garde comme ça. Et après on peut taper. C'est un peu plus chiant en fait. Voyez que c'est complètement le premier qui mâche les boutons en fait. Hein. Alors vous avez une barre de vie en haut bien sûr. Et la barre rose, c'est la barre de spécial en fait. La barre de spécial, on va dire, et chaque personnage a un spécial. Et pour Zephyroth, bien sûr, c'est utiliser la Mazamune.
aïe. Donc l'histoire du combat, parce qu'il y a toujours des histoires un peu pour les combats et tout ça, genre Tekken, il y a toujours une petite histoire, une pseudo-histoire j'appelle ça comme ça. Donc là, je crois qu'il y a une épée à refaire, donc on a un morceau. Oh putain, elle est horrible. On a un morceau de l'épée et on va la reconstruire et il y a un démon qui l'a, enfin je sais pas quoi, un truc comme ça. Elle va me défoncer, elle est horrible. Ah oui, aussi, sinon, si vous le saviez pas, je déteste les jeux de combat. Je supporte pas ça. J'ai énormément de respect pour les gens qui peuvent jouer à des jeux de combat et qui sont forts à ça. Moi, je ne supporte pas ça du tout. Je n'ai pas la patience d'apprendre des coups. Je n'ai pas la patience d'essayer de créer des combos. Je déteste ça. Honnêtement, je crois que c'est le... Entre ça, les jeux de football, les jeux de sport en général, ça doit être ouais, le pire. Sephiroth, il est horrible. On va prendre Cloud après, vous allez voir la différence. Elle est horrible à taper, elle c'est horrible, c'est magnifique comme c'est... c'est de la merde. Oh mon dieu. Après, est-ce qu'il y a du bloc? Je crois que oui. Non. Je sais pas. Oh mon dieu, reste devant quoi. Ah, on peut monter, bah tiens, on peut monter là. Ouais, ça c'est assez nouveau en fait, ce système là. Yeah. Météor! T'en veux encore? Ouais, dans le dos, c'est bien ça. Oh mon dieu, c'est horrible. Laisse-moi te tuer, s'il te plaît. Merci. Comme ça, on avance un peu et on voit autre chose. On va tester un peu les autres modes aussi. Mais... Yeah. Trop stylé. Alors moi, à l'époque, moi, je l'ai eu sur PlayStation. Pourquoi je l'ai acheté? Exactement pour ce que je viens de vous expliquer. Parce que sur la pochette en fait du jeu, vous voyez Cloud. Et j'étais un gros fan de FF7, bien sûr, hein, parce que j'y avais joué des heures et des heures. Vous voyez que là, on peut descendre et tout. On peut prendre appui sur le mur et tout. Et bien sûr, j'avais vu Cloud sur la pochette. Et bien sûr, je me suis dit, bah... Ah putain, mais le jeu, il est top, quoi. Donc, voilà. Et j'ai été un peu déçu. Après, la barre ne se remplit pas, je crois. Non, il va me tuer avec son flingue de merde. Son bras flingue. Voilà. Après, on fait ça parce qu'on est... On est un tricheur. Voilà, bien, excellent. Je sais pas ce que je fais du tout. Vous voyez que les personnages de FF7 sont complètement pétés. Débile, quoi. C'est débile. C'est débile. Que dire d'autre sur ce jeu? Y'a pas grand chose en fait. Les musiques sont pas mal.
Mais ça va pas du tout avec un... avec un jeu de combat, en fait, je trouve. Ah, il va me tuer, ça. La cinématique est vraiment... le... je crois que c'est la meilleure chose, en fait, du jeu, honnêtement. Tape ou pas? Je sais pas pour... je sais pas comment je l'ai tué. Y'a pas de replay, y'a rien et tout. C'est vraiment le jeu, quoi. On dirait que c'est codé par des internes, tu sais, mais... Quand tu te dis que les mecs, ils ont travaillé sur FF7, genre un an avant... Enfin, un an avant. Il est sorti un an avant. Et après, ils te sortent ça. Tu vois que FF7, bon, il a été développé, il a pris plusieurs années, pardon. Et celui-là, bon, bah, voilà, quoi. Lui, il a pris un an et c'est tout. Sûrement. Mais bon, comme j'ai dit, vous prenez un jeu, vous mettez des personnages de FF7. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Pourquoi il est dans le coin comme ça? Vous mettez surtout, genre, Sephiroth Cloud, c'est fini, quoi. C'est bon, tout le monde l'achète. Et c'est ce qui s'est passé, quoi. Mais ce jeu avait du potentiel, c'est juste que... Ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire. C'est un peu le même système que les Dissidia. Sauf que Dissidia était bien fait, je trouve. Beaucoup mieux fait, évidemment. C'est plus tard, plusieurs années plus tard. Et après, il y a eu aussi Dissidia Arcade, le dernier Dissidia qui est sorti là sur console, mais sur PS4. Ils en ont d'abord sorti un sur arcade et après ils l'ont porté sur la console et ils ont mis ça à 60€, les gens l'ont acheté. Personnellement, moi je trouve ça vraiment dégueulasse de leur part et les gens ne devraient pas donner ça, faire ça, quoi. Ne devraient pas l'acheter. Genre le jeu porté directement d'arcade sur une console, vous mettez ça à 60€, c'est dégueulasse. C'est fâché, voilà. J'ai eu beaucoup d'avis mix en fait sur le dernier Dissidia. Les gens aimaient beaucoup, mais bon, oui, mais bon, faut pas. Bah, je sais pas. Genre, le jeu, il. Putain, j'ai fait que taper les mêmes touches et tout, c'est abusé. Enfin, bref, c'est pas des jeux qui ont été. Qui ont commencé de. À être développé pour console, en fait, c'est ça le truc. Ça devrait... si c'est des portas, ça devrait pas être 60€, quoi. Alors ça, c'est... On dirait un rejet de... un rejet des membres de Stars de Resident Evil, parce que c'est un truc de la... elle fait partie de la police, elle ressemble à Jill, en fait. Et elle joue avec un yo-yo. C'est ça, son attaque. Donc les gens, ils se sont dit à Stars, ouais, non, mais toi, t'es un... Tu fais partie de la police et tu joues avec un yo-yo. Non, mais non, tu vas pas rester. Donc tu te retrouves dans ce jeu de combat de merde. Je voudrais juste montrer le dernier monstre. Ce c'est un boss, en fait. Bon, on l'avait vu sur la cinématique. Mais je sens que je vais sortir Cloud, ça va être beaucoup plus simple. Oh là là, catastrophe. Yeah. La Mazamune, quoi. La Mazamune. Qu'est-ce que je vous dise, moi? Étrangement, même quand j'étais plus jeune, enfin quand je l'ai eu, là, genre, sur PlayStation et tout, j'ai pas joué longtemps à ce jeu, étrangement. Lui aussi, il fait pareil, il tire des boules de feu de loin et tout. C'est abusé. Lui, il a compris la technique. Il tire des projectiles, il se met de loin. Je sais même pas comment on bloque. Comment on bloque les coups, là.
encore un petit dernier. Voilà, de rien. Cloud aussi a exactement la même chose, il peut invoquer des météores. Yeah, on a gagné. J'aime bien parce qu'à chaque fois, il y a une sorte de sortie ou une sorte de continue à dans les niveaux, c'est marrant. Waouh, le mec il me tire des missiles quoi. Mais c'est la tête chercheuse par contre. Moi je vais t'invoquer des météores. Toi. Voilà. Y a, honnêtement, il n'y a vraiment pas de technique. Il suffit de connaître quelques coups et c'est tout. Quoi. Et après, vous pouvez complètement spammer les mêmes choses. Ce jeu est vraiment pas difficile. Il n'y a pas de technique. C'est vraiment... Ouais, c'est vraiment le jeu sans technique, quoi. Quand on voit maintenant les Dead or Alive, tout ça, là, les gens peuvent te sortir des combos et tout. C'est magnifique. Moi, quand je vois ça, quand je vois des gens jouer à ça, mais je les admire. Mais oh mon dieu, qu'est-ce que je déteste ça, perso. Le mec, il me tire des... Oh putain. Putain de ninja, quoi. Je sais même pas si on peut récupérer la personne quand elle retombe, genre pour continuer le combo. Je sais même pas si c'est possible, en fait, si c'est une mécanique de jeu. Je sais pas pourquoi je joue à ce jeu, honnêtement. Yes! Attends, bouge pas. Ok, attends. Non, balance pas tes shurikens à la con. Moi j'ai des météores, c'est mieux. Putain. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il m'a sonné avec sa bombe à la con. Attends. Moi, je vais te brain. Voilà. Le bon brain. T'es super. J'adore ce jeu. Il y a Django, il ressemble à numéro 13 de FF7. Mais il a rien à voir en fait, apparemment. Et c'est bien parce que un personnage comme ça qui est beaucoup plus bas que vous, c'est bien parce que ça casse pas la balance du jeu quoi, c'est vraiment vraiment cool. Ça c'est vraiment sympa ça, ce système de faire ça. C'est trop trop bien. Voilà. Ça c'est pas mal de faire des personnages comme ça. Donc tout ce qui est attaque haute, bah vous les foutez dans les fesses.
Ah, mais autant on joue au con, hein. Oh mon dieu. Autant jouer au connard, hein. Bon, bah voilà. Bon, maintenant on est à égalité. Ramène-toi. Comment tu fais mal. Yeah! On a gagné complètement legit. Complètement legit. Ah. Oh. Ah mon dieu! Sommes-nous à la fin? Ready. Ouh! Celui aussi, il est complètement legit, ça va. Je crois que c'est pour récupérer de la vie, ça. Ah non, on a récupéré l'épée. What? Ah, on peut lui balancer l'épée? Quoi ce truc? Yeah! Oh, on l'a tué. Oh mon dieu. Et, et ils vous prennent une cinématique quand même qui est tirée de FF7. Genre c'est un trailer en fait. Imaginez, vous avez jamais joué à FF7. Vous voyez ça. Ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un vaisseau qui vole, il y a une planète. Ce personnage que vous venez de jouer, vous savez pas ce qu'il est en train de faire. C'est fou. Vous dites, bon, la musique est cool par contre. La musique est cool. Je comprends rien du tout à la cinématique, parce que je connais pas le jeu. Ça a l'air super bien. Et après, vous regardez, vous faites un peu des recherches, vous voyez que c'est FF7. Au final, ça a rien à voir avec ce que ça montre, quoi. Enfin, c'est RPG tour par tour et tout. En plus, ça vous spoil bien le jeu, quand même. Waouh. Bah, je crois que c'est la première fois qu'on finit un jeu sur sur les jeux du passé. La première fois qu'on finit le jeu, qu'on finit un jeu. Oui, parce qu'on se limite à une heure de jeu, donc. Eh ben, c'était fun. On va zapper ça. En plus, la musique est forte. Et comme en arcade, hein, on peut mettre le nom. Donc bon, la plupart du temps, ça va être ça. Voilà, triple A, c'est bien. Plutôt cool. Yeah. Trop bien.